Moi, j'ai toujours été intéressée par les pédagogies alternatives. Seulement, des écoles alternatives, il n'y en a pas beaucoup, on n'en trouve pas partout. Et puis, en fait, Elora, depuis le début, elle s'ennuie à l'école. Mais tout le temps, depuis le début de la maternelle. Bah moi, quelque part, ça me fendait le cœur, en fait, de l'emmener là où je savais qu'elle n'était pas bien. Donc, ça a duré des années comme ça. Donc il y a quand même, voilà, moi je me sentais ouais, mal vis-à-vis de ça, quoi. Mais en même temps, je ne savais pas trop comment faire parce que je travaillais, aussi je suis seule avec deux enfants. Je dis comment je peux gérer ça, quoi. Et puis j'ai lu le livre d'André Stern et je ne suis jamais allée à l'école. Et puis ça a fini de me décider. J'ai refermé le livre, j'ai dit ça y est. Je l'ai appelé, puis je lui ai dit c'est oui. Et en fait, ce livre, et je ne suis jamais allée à l'école, c'est un témoignage en fait d'une famille de quatre enfants, d'enfants qui ne sont jamais allés à l'école, et non seulement ça, qui n'ont jamais suivi le programme. En fait, est tombée avec ce livre ma dernière croyance qui faisait que je ne le faisais pas. C'était la croyance selon laquelle il faut faire des études, il faut aller à l'école pour avoir un métier, pour réussir sa vie. Et il y a aussi une autre chose qui nous a décidé, enfin, qui m'a décidé, c'est qu'en fait, Elora, elle est très intéressée par le domaine artistique et elle fait six activités extrascolaires. Quand on s'est dit qu'elle allait rentrer au collège, on s'est dit que ça va pas être possible de garder les six parce que ça va faire trop. Et puis on s'est dit, bah, et si on enlevait l'école? Voilà, on s'était renseigné un petit peu et c'est vrai que, enfin, dans une école classique, il y a des temps pour, y a un temps où on va chanter, un temps où on va faire de la pâte à modeler, un temps où on va faire voilà, une activité puis une autre, etc. Et il y a des enfants qui ont besoin d'un quart d'heure de cette activité et puis après ils ont besoin de passer à autre chose parce que ça y est, ils ont eu leur compte. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin de rester plus longtemps, de revenir sur cette activité. Et une école classique, elle n'a pas les moyens en fait de faire en sorte que chaque enfant puisse prendre le temps qui lui est nécessaire. Et voilà, alors ici, bah, c'est différent parce que chaque enfant fait une activité et il la fait jusqu'à ce qu'il ait plus besoin de la faire.